Ici Julien-David Pelletier pour Faits et Causes à Droit de Cité cette semaine. En cette Journée internationale de la femme, nous abordons la question de la discrimination positive à l'embauche dans une mesure d'accès à l'égalité pour les femmes. Nos équipes de communication politique et de communication de l'Université de Montréal s'affrontent sur ce sujet. Est-ce ou n'est-ce pas une bonne mesure à prôner en 2013? Bon débat. Donc pourquoi empêcher l'expansion d'une loi qui fonctionne et qui aide les femmes? Effectivement, son efficacité n'est pas remise en question non plus par mon argumentaire. Ce que je dis, c'est que même si elle peut être efficace afin d'atteindre la parité, c'est pas suffisant pour établir une véritable égalité, encore moins si on l'impose par des politiques discriminatoires. On pense, de notre côté, que c'est en commençant par l'obtention des postes et en favorisant l'embauche de femmes dans les postes décisionnels ou dans tout poste qu'on va commencer par rattraper ce déséquilibre-là. Nous vous invitons donc à aller écouter le débat au grand complet au www.droitdecité.info et à voter pour votre équipe préférée. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre ronde éliminatoire de Droit de Cité.